Я снимаю. Чего, тихо?
то время как австрийские войска. В конце концов мы решили. Для того, чтобы успеть, улицы были так пустынны. Глава 9. Ярослав Гашин. Похождение правого солдата Швейка. Предыстория. Великой эпохе нужны великие люди. На свете существуют непризнанные скромные герои, не завоевавшие себе славы. Севере Марокко. Это африканский континент. Только что прошли границу. Дело это очень не быстрое, но довольно-таки спокойное. Вот. Поэтому первые минуты по африканскому континенту. Разница не очень большая, кроме арабских надписей, дублирующих английские, по-моему. Танжер-Мед, такой порт есть вдалеке от города Танжер. Сейчас проедем мимо Танжера и поедем в Радат или Рабат, столица Марокко. Она находится на океане, скорее всего Атлантическом. Приедем, посмотрим. Voir la
accord de libre-échange avec le Maroc. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Industrie qui s'est exprimé devant les députés à la première chambre du Parlement. Olafil Alami a fait un exposé, a prononcé un discours sur les relations commerciales entre le Maroc et la Turquie en insistant sur le fait que Rabat est perdante avec l'actuel accord de libre-échange en promettant que la situation allait bientôt changer. Plus d'explications avec Raja Chafi. Alors pourquoi Moulafed Lalami part en guerre contre la Turquie et non pas l'Union Européenne ou encore les États-Unis, avec qui on a également un déficit commercial? Le ministre de l'Industrie et du Commerce répond d'emblée à cette question posée par certains parlementaires du PJD. Parce que les pays de l'Union Européenne et les États-Unis, en plus d'investir massivement au Maroc, ils apportent un soutien financier de près d'1,5 milliard d'euros pour l'Union Européenne et plus d'1 milliard de dollars pour Washington. En revanche, la Turquie ne représente que moins d'1% des IDE au Maroc et n'apporte aucun soutien financier au Royaume. Oui, j'ai un problème avec la Turquie et principalement avec le secteur du textile, rebondit Moulafed Lalami au Maroc. Ces mesures-là se traduisent par une réduction de la compétitivité du Maroc, aussi bien en termes d'attraction de l'investissement qu'en termes d'exportation. Et malgré ça, l'Union Européenne continue de considérer que le Maroc doit rester dans ce qu'on appelle la liste grise, autrement que c'est anormal. C'était les explications de Ablat FM, Zouz, président de l'Alliance des économistes circlaniens. Toujours au chapitre économique, la circulaire de la Banque centrale sur le programme de financement des entreprises. Ce document fixe toutes Africa. Les modalités de refinancement. La Banque centrale a mis sur pied donc des propositions sur une période de 3 ans, une ligne de refinancement des crédits accordés dans le cadre de ce programme d'appui au financement de l'entrepreneuriat, géré, on le rappelle, par la CCG. Les produits concernés sont Intel Art à la Mouchoua. Le lanceur d'alerte à Wuhan a libéré la parole. Lors de la tournée d'inspection de Xi Jinping, lundi, une partie des Pékinois se sont félicités de la bonne santé du président. D'autres, plus cyniques, ont osé s'interroger. Mais pourquoi n'est-il pas à Wuhan? C'était les explications de Stéphane Lagarde, des RFI pour Atlantique Radio. Toujours dans l'actualité internationale, l'Iran commémore le 41e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Des foules importantes ont participé aux cérémonies de cet anniversaire de la victoire de cette révolution islamique à travers le pays. À Téhéran, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour ces commémorations qui coïncident avec le 40e jour de l'assassinat du général Qassem Soleimani par les Américains en Irak. Correspondance à Téhéran avec Stiavosh Gassi. Dans le froid mais sous le soleil, les manifestants ont marché pendant plusieurs kilomètres pour se rendre sur la place Azadi. Ils portaient de nombreux portraits du général Soleimani et des drapeaux iraniens en scandant les traditionnels morts à l'Amérique et morts à Israël. Ces nouvelles manifestations interviennent en pleine tension avec les États-Unis après l'assassinat du général Soleimani, le chef de la force rose des gardiens de la révolution, et la réaction de Téhéran qui a frappé une base américaine en Irak. Dans son discours, le président Hassan Rouhani a dénoncé la politique de Washington qui a imposé les plus dures sanctions depuis 2 ans contre l'Iran. 2 années de sanctions complètes. Si 1/10 des pressions qui nous ont été imposées avaient été contre un pays semblable à l'Iran, il se serait agenouillé devant les États-Unis. Nous ne nous rendrons pas et nous vous obligerons au contraire à vous plier. Les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont fortement dégradées depuis
низкий уровень заряда аккумулятора. Блин, где-то в Африке, короче. Ужас. Пахнет едой и дымом. Бензоколонка с правой стороны. Вроде как цветочек там, да? Да.
Рабат, столица Марокко, въезд в город. Низкий уровень заряда аккумулятора. Ага.